Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un abonné qui avait fait une vidéo sur moi, je crois qu'elle date un peu, là on est le 23 novembre, on est le 4 décembre, si je dis pas de bêtises, et il avait fait une vidéo sur moi. Donc je viens de refaire la vidéo, effectivement, j'avais fait la première fois, mais le micro a totalement déconné, donc je m'en vois vraiment désolé si la qualité du micro n'est pas terrible. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si cet épisode va vous faire plaisir. Donc on va directement passer à ce qui nous intéresse, je pense, qui est à peu près ici. On va voir ça et on va commencer à écouter. Analyse non constructive et aujourd'hui les amis on va s'attaquer à du lourd, tout simplement à Apex Routed 2. Donc les amis, le gameplay m'a été proposé par Aria Gigi qui est à Alors voilà. 25 abonnés, ça me ferait super plaisir Ok. car tout simplement il vous propose sur sa chaîne des gros carnages. De plus les amis, je viens de changer mon micro donc je sais pas si ça va s'entendre. Bon, mon ancien il avait au moins 6 ans donc il était vraiment vieux, donc c'était le moment voilà de le changer. Donc j'espère pas que ça s'entendra trop la différence, mais enfin bref. Aujourd'hui les amis, on attaque directement l'analyse non constructive sur Apex Routed 2. Mon petit logo. Et on a... Donc déjà pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Routed 2, c'est tout simplement un joueur performance qui possède la coupe de cheveux d'un Super Saiyan et les cernes les plus sous-cotées de la performance française. Mes cernes, putain. Ah, ça, je sens que ça va me faire chier toute ma vie. Non, je déconne. Bon, après, mes cernes sont surcotées. Hein. C'est pas grave. De toute façon, je vous montrerai très prochainement une facecam. Française. Mais à part ça, il était ancien joueur de la Dexaclan. Donc j'ai eu la chance à l'époque de lui avoir parlé dans la conf de la Dexaclan. Donc apparemment, la Dexaclan était sa toute première team performance. Ensuite, si je ne dis pas trop de conneries, il a été dans la EPFR puis l'Obscur Clan pour finalement atterrir dans la Noyu Wedge. Donc c'est cette team qui l'a fait connaître. Car à l'époque, on disait la Apex Clan, on disait Apex Punkil et la Rage, on disait Rage Routed 2. Donc. Ouais, effectivement, j'ai eu cette chance en fait avec la rage, c'est que tous les excellents players étaient Apex, en l'occurrence Punkil. Je pense que si j'avais été dans la Apex, j'aurais pas pu être aussi pas aussi connu, mais comment dire, avoir cette même reconnaissance niveau gros gameplay, etc. C'est vrai que la rage m'a donné cette opportunité-là. Étant donné que j'étais motivé pour les gameplays, etc., et que malheureusement, peut-être certains membres Apex n'ont pas pu jouir de cet avantage-là, étant donné qu'il n'y avait que Punkil, et que Punkil était. Voilà. Punkil, c'est Punkil, quoi, c'est un Du coup, monstre. c'est la rage qui l'a fait connaître grâce à ses gros massacres. Donc, suite à des embrouilles, Routed 2 décida de créer sa propre team performance avec On My Way, Check Da Crew, donc la légende du commentary de la performance française. Je pense qu'il est aussi important de dire qu'il manque Skyler et Dark Spiritus, même si forcément je suis plus vraiment en communication avec eux, en contact, enfin bref, tout ce que tu m'as compris. C'est vrai que c'est quand même important de les dire en tant que fondateur et leader On My Way. Enfin, certains anciens leaders, mais ça sera toujours fondateur, même si je suis encore Apex à ce jour. Et qu'il y a les gens qui me disent On My Way, machin truc, et je dis, mais je suis fondateur, si tu es dans cette team aujourd'hui, c'est que, voilà, je l'ai créé cette team, je l'ai créé. Il décida de créer la On My Way et la quitta pendant les vacances d'été lors du RC de la Apex Clan car tout simplement il a décidé d'aller dans la Apex Clan. Et très bon choix de sa part car il est tout simplement passé des 7000 abonnés aux 17000 abonnés dans un. Alors, je suis passé de 8 000 abonnés à 17 000, effectivement. Et oui, mais en fait, je suis pas. Voilà, c'était pas que pour ça. On va dire que, effectivement, je suis parti également parce que il y avait une plus grande visibilité pour mes gameplays, parce que je m'entendais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec les membres Apex désormais que les membres OFW. Même si je m'entendais bien avec les leaders, avec les players, excusez-moi. Même si je m'entendais pas bien avec les leaders et que je m'entendais hyper bien avec les players, malheureusement, voilà, c'est ce qui m'a poussé à partir. Très court laps de temps, donc environ en un mois, 2 mois, 3 mois. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi Apex Routed 2 pour cet épisode 2 des analyses non constructives? Car tout simplement, bah de 1, c'est un youtubeur que j'apprécie énormément. De Ça 2, fait car c'est plaisir. un youtubeur très impulsif, ça veut dire qu'il va régler vite ses problèmes, ça veut dire qu'il va faire une vidéo réponse, clash, enfin. Problème, c'est que chez moi, l'impulsivité est mauvaise. Vous allez comprendre après. Bref, vous m'aurez compris. Et aussi car c'est le premier FR à posséder, je sais pas si ça se dit, les 1000 nucléaires. Alors, c'est pas premier FR, mais ouais, premier mondial. C'est-à-dire que la Doom, ils sont mis à 6 dessus. T'as beau me dire que c'est la Doom qui a fait les premières mines nucléaires. Non, je suis premier à.
à avoir fait mes mines nucléaires. C'est-à-dire, moi tout seul, j'ai fait les mines nucléaires. Ce n'est pas 4 ou 5 personnes qui étaient sur le même compte pour faire des nucléaires, sinon ça serait trop simple. Donc voilà. Et petite question pour vous les abonnés, est-ce que Lautetou est-il vraiment le premier à faire les mines nucléaires sur un compte? Car tout simplement, la Doom Clan avait fait les mines nucléaires sur un compte, mais en commun, donc je vous laisse débattre dans les commentaires. Donc vous étiez quand même pas mal dans le premier épisode, vous avez posé la question, est-ce que je devrais rajouter des clashs ou bien des petites remarques dans mon analyse? Car tout simplement, sur l'épisode 1 sur Zombie Machine, beaucoup de personnes m'ont dit, ouais mais pendant en fait ta série ne sert un peu à rien car tout simplement tu ne donnes pas d'avis négatif sur le youtubeur en question. Donc voilà, je vais vous faire plaisir, je vais vite fait donner un avis négatif sur Lautetou. Tout simplement comme je vous disais, c'est un youtubeur qui est très impulsif, ça veut dire qu'il va vite clasher un youtubeur dans une de ses vidéos. Tout simplement, bah, il n'avait pas trop clashé mais il avait fait une vidéo sur Nextase et Zerox lorsqu'ils s'étaient fait hacker leur compte Twitter. Oui comme tu dis, c'est pas un clash en fait, cette vidéo c'est pas un clash. Les gens qui disent ouais t'as clashé Nexa et Xerox, non en fait c'est des gens qui n'ont même pas regardé la vidéo, c'est pas en fait un clash, c'est juste d'essayer de leur faire ouvrir les yeux, essayer de comprendre la situation qu'ils ont créée suite à un petit événement qui s'est passé à cause d'un truc quoi qui s'est passé en très rapidement, en 5 minutes, et puis tout est parti en couille à cause de ça, c'était peut-être leur faire réfléchir par rapport à la situation. Donc voilà, donc très bon choix de sa part car il avait vite répondu à ces deux youtubeurs, mais je ne pense pas que c'était sa part à faire, je pense que c'était plutôt à Heyman, donc le leader de la Apex Clan, de faire cette vidéo pour tout simplement répondre à Xerox et Nextase. Donc Le truc, c'est que si Heyman fait cette vidéo, ça va créer encore plus de tension sur la Apex. Et c'est ce qui n'est pas voulu, en fait. Et en fait, c'est que déjà, étant donné que cela aurait donné encore plus, mais encore 2 fois plus, de publicité à Nextase ou Xerox, c'était pas le but en fait, pas du tout. Donc aussi lors de son départ de la On My Way, il avait fait une vidéo, pas tout simplement pour dire comme quoi il était rentré Apex Clan et avait clashé Belloom dans sa vidéo, enfin pas trop clashé, il avait dit Belloom qui dans la On My Way, et tout simplement à partir de cette phrase-là, Belloom. Y a tout le monde qui s'en souvient de cette phrase-là, c'est incroyable. Ouais, effectivement, j'avais dit ça parce que Belloom et moi, on a deux visions des choses totalement différentes. Lui est plus basé sur le commentary, disant que c'est beaucoup plus important, ou je dis que moi, justement, que le gameplay était plus important, surtout quand on était sur BO3, où les gens ils viennent également pour du gameplay hein, sur BO3. Il y a encore des gens qui veulent voir du gameplay sur BO3, c'est quand même assez impressionnant. Même si le jeu est sorti il y a un an de ça, les gens veulent quand même voir du BO3. Et puis voilà. Donc là, on va voir. Et puis voilà, Belloom qui est plus dans le commentaire. C'est pour ça qu'on était vraiment en désaccord là-dessus. C'était pas très content, tu vois, parce que Belloom apparemment il aurait un petit peu chipoté là où t'es tout dans la conf On My Way. Donc après, je connais pas vraiment les vraies histoires, enfin les vraies. Enfin bref, tu auras compris. Du coup, Belloom avait fait une vidéo pour répondre à là où t'es tout, et c'est là que c'était vraiment parti en couille. Il avait vraiment eu des gros clashs entre Belloom, là où t'es tout. Mais il n'y a pas eu de clash en fait. Il y a eu le clash en vidéo, il y a eu 2 vidéos clash, mais il n'y a pas eu d'autres clash sur Twitter. Sur Twitter, c'était juste qu'il croyait que je me suis barré seulement pour les abonnés, alors qu'en fait, je pense qu'il a compris ensuite que c'était pas seulement pour ça, c'était seulement pour l'ambiance. L'ambiance, même tous les payeurs se sont rendus compte que dès que je me suis barré, l'ambiance n'était plus du tout la même, qu'ils ont compris l'ambiance que les leaders avaient entre eux et qu'ils ont un peu imposé dans le système OMW, et que c'était plus comme avant, et puis que c'est, selon moi, c'était ça qui m'a surtout donné envie de partir. Sur Twitter, nanana. Finalement, ça s'est réglé, mais ce que je voulais, enfin, je voulais en revenir là-dessus tout simplement. Car imagine, t'es un youtubeur qui fait des vidéos sur Call of Duty, t'es vraiment quelqu'un de sympa, et finalement, t'as une vidéo clash qui va buzzer. Donc, tu auras cette image d'une personne qui va clasher automatiquement une personne. Donc, ça peut donner une bonne image si les gens aiment ça, mais ça peut aussi donner une mauvaise image, ou bien c'est pas l'image que tu voulais projeter en faisant. Totalement d'accord. Malheureusement, c'est mon côté impulsif. Mon côté impulsif où j'aime répondre, et puis c'est la même chose dans les commentaires. Dès qu'il y a un mec qui aime bien foutre la merde, ben, j'aime bien très vite le redescendre sur terre, lorsque je devrais même pas. Pourtant, je devrais plutôt répondre aux abonnés fidèles que je vois très souvent. Oui, les commentaires, je les lis à chaque fois, les potes. Vous ne vous rendez pas compte, mais je lis à chaque fois les commentaires. Je le dis, etc. Même si forcément, vous n'avez pas de réponse, des fois, je suis un peu ému, disant t'es le meilleur youtubeur pour moi. Bah, quand je vois ça, je suis un peu bloqué en fait, j'ai même pas quoi répondre les potes. Donc voilà. Tes vidéos YouTube. Donc les amis, après je voilà, c'est la petite parenthèse pour les avis négatifs. Lautetou, comme je disais, est la personne en France ou bien alors au monde à avoir les mines nucléaires le plus rapidement
en tout cas avoir les mines nucléaires. Donc ça c'est vraiment un truc de malade mental. Donc après Lao Tetu était quand même un joueur hardcore, donc G6 hardcore, bloc. Alors, hardcore, oui, G6, non. G6, j'ai été contre le G6, je me suis même fait insulter par la communauté perf parce que j'étais contre le G6, disant que c'était beaucoup trop simple, qu'il fallait arrêter ça, etc. Je me suis fait insulter par tout le monde, tous les players G6 m'ont craché à la gueule, disant que c'était n'importe quoi, qu'il fallait laisser faire, etc. Et qu'en fait, ce côté G6 hardcore allait défoncer justement ce côté perf de sortir une triple nucléaire où tout le monde aurait dit ouais mais c'est facile finalement de sortir une triple lorsque tu vas sortir une triple en G2 G3 bah finalement tu vas pas t'enlacer d'une triple G2 G3 et tout donc non G6 j'étais contre j'ai fait un peu de G6 effectivement j'ai fait un peu de G6 pour démontrer tout ça mais franchement sur je crois que j'ai sorti une centaine de gameplay sur Black Ops 3 sur ma chaîne il y a moins de d'avoir 5 à 4 gameplays tout court. J'en ai posté très très peu sur ma chaîne. La moitié de mes nucléaires sont en core et l'autre sont en hardcore. Et c'est incroyable quand même que les gens soient focalisés sur le hardcore. Alors oui, je le nie pas, mais le G6, non. Le G6, j'ai fait très peu de G6 en fait. Hein. C'est incroyable, j'ai fait très très peu de G6 et je crois quand même niveau francophone, des mecs qui ont sorti autant de doubles ou d'équivalents de doubles en solo core. Ou même des gros gunstreaks encore, ben, y a, mis à part Punkid, j'ai pas vu beaucoup de monde en solo. Hein. Donc, pas tellement d'accord là-dessus. Après, chacun a sa vision des choses. Je spawn, c'est pour ça qu'il y a les mines nucléaires le plus rapidement. Et en plus, j'avais oublié de dire, c'est que j'avais fait juste 80 nucléaires, ou peut-être une centaine. Mais bon, franchement, même à ce moment-là, le G6, j'aurais pu, quand j'étais en G2, G1 au mois de décembre, je sortais quand même des doubles et des triples solo. Donc, non, des triples, mais beaucoup de doubles solo. Donc j'en avais pas vraiment besoin du G6. J'ai pas eu besoin du G6 pour prouver ce que je valais. Donc là où t'es tout, voilà, j'ai plein d'autres à dire. Un très très bon joueur performance, il a sorti des gros war first. Donc je sais que lors de la bêta, il avait sorti la nucléaire la plus rapide du monde. Donc on sent 13 secondes si je dis pas trop. Alors, ça fait juste, vous saviez que j'écoute la vidéo. Par contre, ça fait 3 fois que j'écoute la vidéo et en fait, j'ai jamais sorti un record comme ça lors d'une bêta. J'ai sorti 144 secondes, effectivement, lors de la bêta de IW. C'est pas un record. Ça a été une très belle nucléaire. Ça a été battu par certaines personnes. Voilà. Après, encore, c'est différent. Et pour dire, voilà, les seuls nucléaires express où j'ai eu des records, ça a été sur Black Ops 3. Conneries, donc finalement il a été battu et il possède plein de records comme ça, par exemple la quad nucléaire mythique sur la bêta de Black Ops 3 qui était. Ah, la quad nucléaire sur BO3, elle est magique. Elle est. Même, et franchement, je la regarde des fois de temps en temps, genre une fois tous les mois, je sais pas pourquoi, je la regarde de nouveau et je me suis dit, mais comment j'ai réussi à sortir cette quad? Des fois, je me pose même la question, comment j'ai réussi à sortir cette putain de quad? Parce que je me suis dit que je suis totalement taré de sortir une quad lors d'une bêta. Même si c'était la capture du drapeau, c'était du blocage de spawn, même à un moment donné, c'est limite du spawn trap. Voilà, il fallait le faire sur une bêta. Aussi passé sur l'Obscur Clan au passage, ouais, je me souviens. Voilà. Enfin bref, c'est tout pour la parenthèse sur AP. C'est dommage parce qu'en fait, tu dis des records, mais c'est dommage que tu n'en aies pas dit plus, étant donné qu'il y a par exemple un record qui a toujours été invaincu. Et je ne comprends pas pourquoi les gens oublient ce record. Mon 190 qui est toujours invaincu à ce jour en hardcore G2, qui a été invaincu, c'est-à-dire que c'est 109 alarmes sans mourir. C'est un record que même les Américains, 6 mois, bon, je crois que ça fait presque 6 à 7 mois, qu'ils arrivent toujours pas à battre ce record. Personne arrive à battre ce record. Il y a beaucoup de gens qui l'ont égalé, qui ont réussi à faire le 190, mais ils n'ont jamais réussi à le battre. Il y a aussi beaucoup de personnes en liaison satellite qui réussissent à faire 109-0 en groupe de 6, mais ils n'arrivent pas à battre ce record. Et en plus, voilà, dans les modes non légit, ils essayent de battre mon record, mais ils n'y arrivent pas. Donc ça me fait. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de records qui ont été un peu oubliés. Après, ça, c'est juste si tu t'en souviens ou pas du truc, quoi. Slout et tout, donc cette vidéo est déjà terminée. Donc dites-moi dans les commentaires si voilà ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'ai bien aimé la critique. C'est vrai que niveau impulsivité, je peux être un salaud des fois, hein, je le nie pas, personne n'est parfait, etc. Voilà, donc le petit like qui va avec. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je vous fasse un épisode 2 là-dessus, j'ai vu pas mal de personnes faire des vidéos sur moi, donc ça pourrait être assez rigolo.
Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. J'essaie de reprendre petit à petit les vidéos. C'est vrai que j'étais assez démotivé ces derniers temps, mais j'essaie de, on va dire, un peu de reprendre là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages, autant que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Pornhub, sur YouPorn. Enfin bref, tu m'as compris. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.